Adorons. Alléluia. L'atmosphère du ciel est ici. Oui, comme ça. C'est un cantique nouveau. Lorsque tu montes dans l'adoration, tu adores avec les anges et tu reçois la musique du ciel. Chante. Au ciel on chante. Les anges chantent.
presence. Konde resaya baba. Le ciel chante. Le ciel en chante. Au ciel en chante. Ézéchiel 37, verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Ce matin, je ne vais pas parler en termes des faux raisonnements africains. Aujourd'hui, dimanche, est le dernier jour. Je vais parler à l'église. Et mon message, c'est les faux raisonnements sur le bruit et le silence dans la présence de Dieu. Les faux raisonnements sur le bruit et le silence dans la présence de Dieu. Nous voyons là un verset qui parle du bruit dans la présence de Dieu. Le prophète Ézéchiel reçoit l'ordre du Saint-Esprit de prophétiser sur les eaux desséchées. Et lorsque les eaux desséchées ont entendu la parole de l'Éternel, il y a un bruit. Dû au mouvement des eaux qui s'approchaient les uns des autres. Cela nous révèle que dans la présence de Dieu, nous recevons des paroles prophétiques. Et ces paroles prophétiques amènent un mouvement. Et un mouvement qui peut amener un bruit. Je répète, dans la présence de Dieu, nous pouvons recevoir des paroles prophétiques qui peuvent amener un mouvement. Et un mouvement qui amène un bruit. Apocalypse 19, verset 6. La Bible dit, « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit des grosses eaux et comme un bruit des forts tonnerres, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Dans la présence de Dieu, lorsque la foule en unisson décide d'adorer Dieu de tout son cœur, cela amène un bruit que Dieu aime, semblable au tonnerre, semblable aux grosses eaux. Et Dieu n'est pas contre cela. Dieu n'est pas contre qu'on prophétise et que les prophéties engendrent un mouvement qui amène un bruit. Dieu n'est pas contre que nous puissions le louer ensemble, fort, et que cela puisse amener même des bruits des tonnerres, des bruits de grosses eaux. Et le psaume 42, verset 7 ou verset 8. La Bible dit, un flot appelle un autre flot. Au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots
passe sur moi. Un flot appelle un autre flot. Au bruit de tes ondes, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Les vagues d'onction et les dimensions spirituelles peuvent s'accompagner aussi de bruit. Les vagues d'onction, parce que l'onction a des dimensions. L'onction grandit. Dieu se révèle de plus en plus. Et cela peut intensifier le mouvement de l'esprit et les bruits dans l'église. Et surtout, acte 2, versets 1 à 6. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Le bruit est venu du ciel, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le réveil vient avec le bruit, pas le bruit de la chair, mais le bruit du ciel. Le bruit du ciel. Et lorsque ce bruit est venu, il y a eu une tempête, un vent. Mais pas un vent naturel, un vent spirituel. Et ce vent s'est accompagné de feu sur les têtes de toute personne qui était dans la chambre. Et ils ont commencé à être remplis de l'esprit. La plénitude de l'esprit précède le parler en langue. Lorsqu'un homme est rempli de vin, c'est alors qu'il commence à dire n'importe quoi. Il ne dit pas n'importe quoi avant. Il est d'abord ivre, ensuite il dit n'importe quoi. Et on est d'abord rempli du Saint-Esprit, et ensuite on parle en d'autres langues. Et ça, ce n'est pas n'importe quoi, c'est la langue la plus élevée. Mais il faut d'abord être rempli du Saint-Esprit. Vous qui recherchez le baptême dans le Saint-Esprit, recherchez la plénitude du Saint-Esprit. Et lorsque vous serez rempli du Saint-Esprit, il y aura une conséquence. Vous allez commencer à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit va vous donner de vous exprimer. Ça veut dire ceci, c'est que le Saint-Esprit n'agit pas comme un démon. Le démon, il parle à ta place, sans ta volonté, mais le Saint-Esprit te remplit et il te donne les mots et c'est toi qui les dis. Il y a beaucoup d'entre vous qui normalement vous devriez déjà parler en d'autres langues, mais vous avez un faux raisonnement par rapport au parler en langue, c'est que vous pensez que le Saint-Esprit opère comme un démon qui va tout faire. Non, il va te remplir et puis de ton esprit vont venir une langue que tu n'as jamais parlé qui va se proposer à ta langue. Tu vas sentir que ta langue reçoit une proposition de dire ce que tu n'as jamais dit et tu dois couler et tu vas parler en langue ce matin. Ce matin, beaucoup vont parler en d'autres langues.
beaucoup vont être remplis du Saint-Esprit. Beaucoup. Mais tu dois savoir que ça ne te demande pas d'avoir des années dans le Seigneur, comme certains pensent. Je dois avoir 10 ans dans le Seigneur, je dois être pasteur, intercesseur. Non. Ils étaient dans la chambre haute. Et si nous disons que nous sommes sauvés depuis la mort et la résurrection de Jésus, ils n'avaient même pas une année dans le Seigneur. Ils n'avaient même pas 3 mois dans le Seigneur. Mais ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Et ils ont parlé la diversité de langues, car ils parlaient des langues des hommes qu'ils ne connaissaient pas. Et ils pouvaient prêcher. Et 3000 personnes se convertissent alors qu'ils n'avaient pas fait une année dans le Seigneur. Ne dis pas qu'il te faut beaucoup d'années dans le Seigneur. Si seulement tu es chrétien et tu as le Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit te remplir ce matin. Et lorsqu'il te remplira, une langue des anges, une langue parfaite, qui ne commet pas de fautes spirituelles et qui prie exactement et qui adore exactement et qui rend grâce exactement, te sera donnée. Et une fois que cette langue te sera donnée, elle sera à toi. Elle ne te quittera plus. Tu la parleras à tout moment. Et cela va aider ta vie de prière. Car des fois, nous sommes fatigués de prier dans l'intelligence, fatigué de prier avec nos propres mots, et celui qui parle en d'autres langues reçoit le soutien de l'Esprit, car il est écrit que lorsque nous parlons d'autres langues, notre intelligence est stérile. Donc tu n'opères pas dans l'intelligence, mais c'est l'Esprit de Dieu qui opère. Et dans la dimension du parler en langue, souvent le parler en langue vient avec la prophétie, où tu vas parler de la part de Dieu. Tu vas annoncer les choses à venir, tu vas annoncer les choses cachées et tu vas exhorter, consoler, édifier. Et ça va arriver à plusieurs d'entre vous ce matin. Même vous qui nous suivez sur Internet, ça va vous arriver ce matin chez vous à la maison, dans ta voiture, dans ton salon, dans ta chambre. Ça va t'arriver. Le Seigneur m'a promis, il le fera. Alléluia. Alors, lorsque nous lisons, nous voyons que le bruit manifesté dans la chambre haute a été la publicité du Saint-Esprit afin d'attirer les gens vers la chambre haute et pour qu'ils reçoivent le feu de la Pentecôte. C'est pourquoi il est bon qu'une église fasse du bruit, pour que les voisins sachent qu'il y a un Dieu qui agit, qu'il y a des personnes vivantes qui sont là. Je connais des gens qui passent devant un temple et ils entendent le bruit de la louange, le bruit de la prédication, le bruit de la prière, et sont attirés par la curiosité et par une soif spirituelle, ils s'approchent et reçoivent le feu. J'habitais Lemba. Il y avait une église en Gaba. Quand cette église disait Alléluia, on entendait le bruit de l'Alléluia de Ngaba remonter jusqu'à Lemba. C'était chez l'apôtre Tambulu Koki. Rien que ça, ça me donnait envie de voir cette église. Qui sont ces personnes qui peuvent dire Alléluia et j'entends comme une bombe qui sort de Ngaba et qui monte vers Lemba. Le bruit de l'esprit. Ésaïe 41 verset 1 nous parle aussi du silence. Je vous ai parlé des versets qui parlent du bruit, et Dieu n'est pas contre le bruit. Mais vous devez savoir que dans la présence de Dieu, il n'y a pas que le bruit. Vous voyez comme vous êtes silencieux, la calme, c'est la présence de Dieu.
il y a un dégagement de la présence de Dieu qui t'amène à être comme tu es. C'est une œuvre de l'esprit. Même ta manière d'être calme là maintenant, des fois, quand la présence de Dieu sature un endroit, il y a du bruit. Mais des fois, il y a un silence, un grand silence. C'est aussi Dieu. C'est aussi la présence de Dieu. C'est quelque chose que nous devons savoir. Parce que lorsqu'on est habitué qu'au bruit de l'esprit, on pense que c'est tout ce que Dieu peut faire. Alors que Dieu aussi peut opérer dans le silence. Des fois, tu peux venir devant Dieu et te dire, crie, prie fort. Et des fois, il te dit, calme-toi, reste silencieux, murmure. Et là, il se manifeste. Et là, il se glorifie. Des fois, tu dois prier pour quelqu'un avec intensité. Des fois, tu le fleures un tout petit peu. Et la puissance de Dieu le touche. Des fois même, tu ne le touches pas. Ésaïe 41, verset 1, la Bible dit, « Il fait silence pour m'écouter. Que le peuple ranime leurs forces, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons-nous pour plaider ensemble. » Dieu réclame des fois dans sa présence le silence. Quand il veut parler, pour que tu ne rates rien de ce qu'il va dire, de ce qu'il va communiquer, car un simple mot peut changer ta vie. Un simple mot peut changer ta vie. Une simple phrase peut changer ta vie. Une simple vision peut changer ta vie. Une simple sensation peut changer ta vie. Ainsi, des fois, il y a le bruit du ciel, mais des fois, il y a le silence du ciel où Dieu réclame que son peuple reste calme parce qu'il veut lui parler. Souvent, tu te plains. Tu dis que Dieu ne te parle pas. Je te pose cette question. As-tu la capacité, dans tes moments de prière personnelle, d'être silencieux? As-tu la capacité de parler, de parler, de parler, et puis de te taire? De te taire et de te taire et de faire taire tes pensées. Car des fois, nos bouches ne parlent pas, mais nos pensées continuent à parler. Mais de faire taire et ta bouche et ta pensée. Arrives-tu à cela? La plupart des hommes prophétiques et des hommes spirituels arrivent à faire taire leurs pensées et leur bouche devant Dieu. Parce qu'il y a un temps dans la prière, dans la présence de Dieu, où on parle, on parle, on parle. Mais il y a un temps, on s'arrête de parler. On s'arrête de parler en langue. Et on reste calme au dehors et au dedans. Et Dieu dit, calme, restez silencieux pour m'écouter. Lamentations 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le terme que Dieu m'a donné, c'est il est bon des fois d'être comme un tapis devant Dieu. Vous voyez le tapis rouge là, depuis qu'on l'a posé là, il restera là. C'est nous qui déciderons un jour de l'enlever et de le mettre quelque part. Il est bon des fois d'être comme un tapis devant Dieu. Vous voyez comme le frère est là, un tapis. Et vous voyez même l'expression qu'il a, c'est l'esprit du message, c'est l'esprit de la présence de Dieu qui est ici. Tu vois comme il est là. Des fois quand tu pries chez toi à la maison, on reste comme ça. On reste comme ça mes frères.
Aujourd'hui, Dieu veut faire monter ton niveau dans la prière. Des fois, on reste comme ce frère-là. Montrez-le, la caméra, la presse, c'est comme ça. Quand on dit quelque chose, on montre la chose parce que les gens nous suivent du monde entier. Et c'est glorieux ce qu'il vit. Il m'est arrivé, mes frères, à l'âge de 21 ans. J'étais resté comme ça dans l'église. C'est parmi mes grandes expériences. Le culte prend fin, tout le monde part, je suis resté comme ça. On arrange les chaises, je suis là. Mais j'entendais la voix de Dieu qui me disait, Marcelo, que veux-tu que je te fasse pour que tu répondes à mon appel? Les gens pensaient que j'étais calme, mais au-dedans, j'entendais une grosse voix me parler. Des fois, il faut crier. Des fois, il faut sauter. Mais des fois, il faut être calme. Calme pour écouter. Et c'est un faux raisonnement que nous avons. Nous pensons que c'est toujours, crier, c'est toujours l'onction. Des fois, il y a l'onction quand on crie. Des fois, il y a l'onction dans le silence. Des fois, il y a l'onction dans la douceur. Le pasteur de la plus grande église au monde prêche comme ça tous les jours. Tous les jours, comme ça. Il n'élève jamais la voix, mais ce qu'il dit arrive. C'est un faux raisonnement que nous avons. Que onction, puissance, c'est toujours crier, c'est dégager Dieu. Tu vas auprès d'une prise, elle est silencieuse. Tu la touches, tu es électrifié, mais elle est calme. Tu vas vers un groupe électrogène, il fait du bruit. Tu touches, tu es électrifié. Mais tu vas auprès d'une prise silencieuse. Tu touches, tu es électrifié. Des fois, on opère dans le groupe électrogène, la vibration. Mais des fois, une prise silencieuse mais puissante. Les deux, c'est la puissance de Dieu. Prédicateur, c'est pas que toujours tu dois crier. Non. Musicien, c'est pas que toutes les chansons, vous devez crier. C'est pas que toutes les chansons, il faut taper le drum, taper fort, augmenter le volume. Non, c'est un faux raisonnement. C'est un faux raisonnement que nous avons souvent dans les églises. Que Dieu, c'est toujours le bruit. La puissance dans la prière, c'est bouger, gesticuler. Des fois, pas toujours. Il faut attendre en silence le secours de l'Éternel. Quand tu es devant Dieu comme le frère là, c'est un signe de foi, de confiance, d'attente. C'est dire, je m'abandonne à toi Seigneur, je ne ferai rien sans toi. Je ne peux pas me lever si tu ne te lèves pas avec moi. Je ne peux pas aller si tu n'es pas avec moi. Je ne peux rien. Et quand des fois j'atteins ce niveau là, un feu vient sur mon dos comme si Dieu me brûle. Mais je ne parle pas. Mais le feu vient sur moi comme si Dieu veut me brûler. Et je reste là, jusqu'à ce qu'ils me disent, j'ai fini, debout, va. Le silence, c'est un signe de confiance. C'est un signe où tu dis, Seigneur, je ne veux pas murmurer, je ne veux pas me plaindre, mais je compte sur toi. Et je n'ai aucune force sans toi. Et un verset terrible, Apocalypse 8, verset 1, la Bible dit, quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, 30 minutes de silence au ciel. Vous voyez la vision que nous avons du ciel? C'est tout le temps Alléluia, 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 Alléluia. La Bible nous dit 30 minutes de silence au ciel. As-tu déjà fait 30 minutes de silence dans la prière? Silence extérieur et intérieur. Je ne parle pas faire le vide de la pensée. Ça c'est occulte. Ça c'est le bouddhisme. Mais où tu es concentré sur Jésus, concentré sur Dieu, 30 minutes, le ciel a gardé silence. Il y a des gloires qui viennent à l'église. Les gens sautent à gauche et à droite. Il y a d'autres gloires qui viennent. Les gens sont prosternés en silence. Prosternés.
en silence. Certains même sont paralysés, plaqués au sol toute une journée. Toute une journée. Oui, ce sont les choses qui arrivent dans le réveil. 30 minutes, aucun ange ne parlait. Personne, Michael, personne ne parlait pendant 30 minutes. Pourquoi? La gloire de Dieu était tellement intense qu'il fallait que tout le monde se taise. Des fois tu viendras, tu parleras, la gloire viendra. Des fois tu viendras, tu te tairas, c'est quand la gloire viendra. Les deux. Et Zacharie 2, verset 13 nous dit: que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Que toute chair se taise devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Le silence est un signe de révérence, de crainte, d'adoration et de respect. Il y a des gens qui regardent une statue. Pendant des heures, elles ne disent rien, en train d'adorer la statue. Le silence est un signe de respect, est un signe de crainte. N'est-ce pas que lorsque tu respectes quelqu'un, tu ne fais pas beaucoup de bruit? Lorsque tu sais que tu es en présence d'une autorité, tu ne fais pas beaucoup de bruit. Et des fois, quand Dieu vient dans sa gloire, dans son autorité, dans sa suprématie, cela impose le silence parce que ton esprit capte sa royauté. Ton esprit capte sa royauté. Et ton esprit impose à ton âme et à ta bouche de garder silence parce que le roi s'est levé. Si un roi de ce monde vient ici, vous allez voir comment presque beaucoup de choses vont changer. Mais il y a l'autorité des autorités, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alléluia. Et un verset merveilleux qui explique parfaitement ce que je vais vous dire. Un roi 19, verset 11 à 13. C'est Élie qui parle. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles: que fais-tu ici, Élie? Wow. Il y a des mystères dans la présence de Dieu, mon frère. Ne vous habituez pas à prier. Ne vous habituez pas à chanter. Ne vous habituez pas à prêcher. Le ministère a plusieurs facettes. L'adoration a plusieurs facettes. Les cultes ont plusieurs facettes. Dieu a plusieurs facettes. L'onction a plusieurs facettes. La gloire a plusieurs facettes. L'Éternel demande à son serviteur de se tenir dans la montagne, dans une caverne. Il y a un vent fort et violent qui déchire les montagnes. Mais un vent fort violent qui déchire les montagnes, ça ne peut être que Dieu. Un vent qui déchire les montagnes, ça ne peut être que Dieu. Ça nous rappelle quoi? Le Sinaï. Ça nous rappelle même la résurrection de Jésus-Christ. Mais on dit, il n'était pas là-bas. C'est-à-dire qu'il était là-bas avant, mais il n'était plus là. Fais très attention à tes anciennes expériences. Dieu peut te faire voir plus que cela.
Il y a des gens qui sont prisonniers de ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Ils ne savent pas que Dieu peut faire plus. Vous savez, quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand je priais, c'est comme si je prêchais. Je priais tellement fort, c'était grave. Donc, je peux venir ici, je prie là, c'est terrible. Donc, ma voix donc était grillée parce que je criais en priant. Et puis, un jour, Dieu m'a dit, aujourd'hui, tu vas prier autrement. Parle lentement. J'ai dit, non, je vais perdre le feu. Je vais perdre l'onction. Prie-moi lentement. J'ai osé. J'ai découvert une autre profondeur. Quand je priais très fort, après 2 heures, 3 heures du temps, je me fatiguais parce que c'était de l'énergie. Mais quand il m'a appris à prier en profondeur et silencieusement, je pouvais m'asseoir sur une chaise. 5 heures du temps, 6 heures du temps, je suis relax, mais j'accumule la puissance. Je prie dans la faiblesse. Mais quand je me tiens debout, la puissance de Dieu se manifeste. Et les gens avec qui je priais avant, qui savaient comment je priais fort, quand maintenant on priait ensemble, je restais calme, je parlais à Dieu comme s'il était là. Et ils sont allés me critiquer. Marcelo a perdu la vie de prière. Et je disais, si vous saviez que j'ai découvert une autre facette. Tu vois, toi qui es là-bas, quand tu vois cette chair, tu ne vois que là. Mais moi qui suis ici, je vois des choses ici. Tu as connu le Dieu du bruit, des cris. Il y a aussi le Dieu du silence. C'est la même chair, c'est le même Dieu. Il y a une autre profondeur. Et tu sais, ça m'a donné cette capacité. Avant, j'avais besoin de crier pour ne pas dormir. Donc je devais me garder, éveillé en criant, en bougeant, en marchant. Mais quand je suis entré dans cette profondeur, j'ai acquis la capacité de ne pas avoir besoin de bruit et de bouger pour ne pas dormir. Mais la concentration était devenue tellement élevée que même sans parler et murmurant seulement, je pouvais prier des heures et des heures sans dormir. J'avais grandi. Tu sais, toi qui dors facilement, tu as un problème, tu es un enfant dans les choses de Dieu. Toi qui, lorsque seulement il y a un calme, tu dors. Tu es un enfant dans les choses de Dieu. Tu ne sauras pas saisir le Dieu du silence, le Dieu de la profondeur. Et il n'était pas dans le vent fort qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, mais c'est lui qui a produit le vent. C'est lui qui a déchiré les montagnes. Ce n'était pas le diable, mais il n'était pas dedans. Il avait cessé d'être dedans. Il était ailleurs. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Le tremblement de terre venait de l'Éternel, mais il n'était plus dedans. À la montagne du Sinaï, la montagne a tremblé. Dieu était là, mais ce n'était pas la seule expérience que Dieu pouvait donner. Dieu peut te donner plus que ce que tu as déjà vu. Dieu peut te montrer plus que ce que tu as vu. Dieu peut te faire entendre plus que ce que tu as entendu. Dieu peut t'amener là où tu n'es jamais arrivé, dans sa présence. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Nous tous nous disons, le feu dévorant. Il n'était pas dans le feu. Il était où? Tu n'es pas dans le feu. Tu n'es pas dans le tremblement de terre. Tu n'es pas dans les montagnes qui se déchirent. Où es-tu, Dieu Tout-Puissant? Il est dans le murmure, doux et léger. Mais quand il parle, c'est puissant. Je ne suis pas contre le feu. Je ne suis pas contre les murmures. Je ne suis pas contre les tremblements des terres. Mais je veux être là où Dieu est. Ce qui est important, c'est être là où Dieu est. Des fois, tu viens devant Dieu, toujours avec la manière de faire, mais il te regarde et dit, mon fils, tu auras 10 ans, tu me rends le même culte. 5 ans, tu me rends le même culte. Les mêmes chansons, la même manière de prier, la même manière de tout faire. Ne trouves-tu pas que tu as un culte monotone? Peux-tu t'approcher de moi autrement pour découvrir autre chose? Dieu veut le deux.
Et voici un verset clair qui prouve que les deux peuvent se combiner. Apocalypse 8, versets 1 à 6, la Bible dit. Quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Mais maintenant après, et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Avec les trompettes on fait du bruit. Donc après le silence, il y a eu du bruit. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. 30 minutes de silence. Mais au verset 5, on nous parle des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Les deux dans la présence de Dieu. Pas toujours le silence, pas toujours les bruits, pas toujours le silence, pas toujours les tremblements de terre. Les deux vont ensemble. Si on est en mode bruit, ce n'est pas l'équilibre. Si on est en mode silence seulement, ce n'est pas l'équilibre. Car je connais aussi des endroits, c'est interdit de faire du bruit. Il faut que tous les cultes soient comme ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis, vous, quand les gens prient fort à côté de moi, j'arrive à être concentré. Non, les deux, les deux. Alléluia. Les deux. Il y a un temps, l'Esprit de Dieu nous conduit dans le bruit. Il y a des fois, il nous conduit dans le silence. Que ce soit dans nos cultes, que ce soit dans nos chansons, nos adorations, nos prédications, nos enseignements, notre modération, même la modération. Tu ne peux pas être un modérateur standard. Tu parles toujours de la même manière, tu fais toujours tout de la même manière. On connaît déjà tes prières en avance. La manière dont tu vas tout faire, c'est toujours comme ça. Donc quelqu'un voyage, il revient, tu fais toujours. Non! Il faut que quand tu prépares ton culte, tu ressens le cœur de Dieu. Tu ressens la direction de l'Esprit. Et tu peux même savoir ce que le prédicateur prêcheur. La chorale, vous pouvez sentir. L'atmosphère de l'Esprit, c'est comme ça. Et vous vous préparez. Et quand l'orateur monte, la chanson, la modération, tous les trois convergent. Alléluia. Toutes les trois convergent. 30 minutes de silence. Mais ensuite, le feu. Un culte peut commencer silencieusement et puis finir dans les feux, dans les tonnerres. Ou il peut commencer dans les tonnerres et puis finir dans le silence. Ou un mercredi, on est dans le silence. Un vendredi, on est dans les tonnerres. Et l'autre dimanche, on est dans le silence. Et l'autre jour, dans les tonnerres. Alléluia. Car tous les deux font partie de la présence de Dieu. Ne dis pas, moi je n'aime pas les prédicateurs qui prêchent fort. Non. Ne dis pas, je n'aime pas les prédicateurs qui prêchent lentement. Non. Que tous expriment ce que Dieu veut exprimer. Je n'aime pas les chansons qui font danser. J'aime que les chansons qui font adorer. Je n'aime que les chansons qui font danser. Je n'aime pas ce qui fait adorer. Non, tout dans la présence de Dieu. Lorsque ça fait danser, je danse. Quand ça fait prosterner, je me prosterne. Quand ça mène au silence, je vais dans le silence. Je prends tout ce qui est donné dans la présence de Dieu. Alléluia. Et regardez, mes frères et sœurs, ce qu'amène cette compréhension. Ça, c'est un verset merveilleux. Je peux avoir Yeshua. Dans 2 Samuel 5, verset 24, la Bible dit ceci. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Oh. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, les mûriers ce sont des arbres, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche au sommet des arbres devant toi pour battre l'armée de Philistins.
comment je peux savoir? Voici le signe que Dieu donne à David pour lui dire que je vais te donner la victoire. Quand il prie, Dieu lui dit, voici le signe. Quand tu entendras mes pas sur le sommet des arbres, sache que je te précède. Comment je peux savoir que Dieu est en train de marcher au sommet des arbres? Parce qu'il peut avoir un oiseau, il peut avoir un vent. Comment je vais distinguer Dieu et l'oiseau? Dieu et le vent, c'est lorsque dans l'intimité, tu connais les bruits de ses pas. Dieu ne pouvait faire une telle promesse à David s'il n'était pas sûr qu'il avait la sensibilité de savoir comment Dieu marche au sommet des arbres. Il connaissait la profondeur de David dans sa présence, qui pouvait lui dire, je te précède, et pouvait savoir que David va savoir. Est-ce que tu peux savoir quand Dieu est là? Jacob dit, Dieu était là, mais je ne le savais pas. Dieu peut être là, mais tu ne le sais pas. Dieu peut être là et tu penses qu'il n'est pas là. Frère, sœur, est-ce que si Dieu te fait ce test de te dire, lorsque tu verras tel signe de mes pas marche, est-ce que tu connaîtras? Les gens qui arrivent à connaître, ce sont ceux qui peuvent opérer dans le bruit et dans le silence. Je suis sûr que le bruit des pas de Dieu au sommet des mûriers n'était pas très grand. On croirait un vent seulement. Mais David pouvait dire, c'est l'Éternel qui marche. Comment tu sais? Je sais comment il marche. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'ai expérimenté pour ma première fois la présence de Dieu dans le silence, dans une église. J'étais allé comme d'habitude, c'était une église où je ne sentais jamais la présence de Dieu. J'étais enfant. Mais un jour, la chorale a chanté un cantique sur Jésus. J'étais païen. Je ne connaissais rien de Dieu. Tout d'un coup, le jeune Marcelo turbulent, je me suis tenu calme. J'avais la révérence. Je sentais que Dieu était là. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. J'ai su que Dieu est ici à 10 ans. Un jour, je suis allé visiter des amis. On avait l'habitude de jouer au foot ensemble. Et je suis allé les prendre. Je frappe à la porte. Personne ne m'ouvre. J'entre dans la parcelle. Et j'entre dans le salon, mes frères. J'ai assisté à une scène. J'ai trouvé toute leur maison assise. Il y avait un pasteur qui était là. Personne ne parlait. Personne ne m'a même remarqué. J'étais païen. Personne ne m'a dit, tais-toi. Personne ne m'a dit, assis-toi. J'ai senti que Dieu était dans cette maison-là. Et je me suis seulement assis. Quand j'ai fermé les yeux, Dieu remplissait le salon. Il y avait un homme de Dieu qui était là. Il avait une sensibilité de la présence de Dieu. Je n'avais pas besoin de présentation. Je sentais que cet homme vit dans la présence de Dieu. C'était la première fois et la dernière fois que je l'avais vu. Mais je n'ai jamais oublié cette scène que j'ai vécue, je crois, à 16 ans. Et une fois, dans notre permanence de Flaming Fire, je vais voir le pasteur. Il y avait la permanence et de l'autre côté, il y avait le bureau du pasteur. J'entre dans la permanence. Je surprends une femme à genoux, les mains levées, silencieuse devant Dieu, son visage brillait. Quand je l'ai vue, frère, j'avais l'impression d'être arrivé dans le Saint des Saints. Elle avait changé l'atmosphère de la pièce. C'était comme si ça rayonnait. Sur elle, il y avait comme une gloire. Elle était calme. Des larmes seulement coulaient de ses yeux. Je suis sorti respectueusement. J'ai fermé, je suis parti. C'était la première fois et la dernière fois que je l'ai vue. Je ne l'ai jamais vue. Mais elle m'avait enseigné une chose.
qu'il y a des niveaux. Quand tu entres en Dieu, tu oublies le temps, tu ne sens plus rien. Quelqu'un peut entrer, tu ne sais pas. On peut faire du bruit, tu n'entends pas. Et alors, j'ai commencé à prier pour que Dieu m'apprenne à prier comme ça. Et c'est là que Dieu m'a enseigné les trois dimensions de la prière pour aller jusque dans la présence de Dieu. La première dimension de la prière, c'est la dimension du parvis, mon frère. C'est quand tu pries dans le corps. C'est le début de la prière. C'est lourd. Tu es distrait. Tu es fatigué. Tes pensées divaguent. Tu n'es pas concentré. Tu peux même avoir des mauvaises pensées dans la présence de Dieu. Le diable t'attaque par des pensées, des soucis, des peurs. Tu entres, tu sors. Tu chantes, mais ça ne vient pas. Tu pries, tu ne sens pas. C'est machinal. Et tu fais toujours les mêmes prières. Ta même prière revient. Bénis-moi, aide-moi, pardonne-moi, moi. Tu pries. Tout le monde commence là. Et certains, quand ils vivent ça, ils laissent tomber, ils disent, il n'y a pas Dieu. Non, c'est le parvis. Et c'est bien qu'au début de la prière, tu puisses faire comme si tu luttais. Tout le monde lutte, même moi, je lutte. J'ai commencé à prier à 2h30. C'est vers 4h30 que j'ai senti que j'ai percé. Mais je devais être patient. Pourquoi? C'est un roi, comme on nous a prêché, c'est un souverain. Ce n'est pas parce que hier tu es venu, tu es entré jusque dans ma chambre et puis tu viens encore, tu vas entrer dans ma chambre. Tu vas attendre dehors et je vais te dire viens et puis encore. Quand tu arrives au parvis et que la chair, le bruit, toutes ces choses te distraient, ne lâche pas, continue à prier. Si même tu as sommeil, lève-toi. S'il faut prendre un café, prends un café, mais tiens bon. Alléluia. Si tu dois crier, crie. Si tu dois mettre la musique, tu mets la musique, tu dois tenir. Et si tu persévères, quelque chose va arriver. Tu vas percer. Tu vas entrer dans la dimension du lieu saint. Dans la dimension du lieu saint, la chair ne te parle plus trop. Mais elle continue à parler. Les distractions ne t'atteignent plus trop. Mais il y en a un tout petit peu. Mais là quand même, ton âme commence à être touchée. Tu commences à ressentir de l'amour pour Dieu, l'amour pour les hommes, l'amour pour les païens. Tu peux commencer à sentir la joie, la tristesse. Tu sens bien. Malheureusement, beaucoup de gens, quand ils arrivent là, ils pensent que c'est tout. Ils pensent que c'est tout. Parce que quand tu arrives dans la dimension du lieu saint, tu es proche du lieu très saint. Tu es proche. Alors comme tu es dans cette dimension intermédiaire, certains pensent que c'est tout. Je sens le feu, l'amour de Dieu. Je pleure, oh Dieu, oh Jésus, Jésus. Je sens ta présence, Jésus. Là, les émotions. Mais si tu continues et tu continues, tu vas entrer dans une dimension où tu oublies le temps, où le temps n'est plus, où tu peux prier et puis tu te dis, oh, j'ai fait 3 heures, mais tu as senti 30 minutes. Parce que dans le sein des saints, on goûte à l'éternité. Et quand tu arrives là, tu n'as plus de prière. Tu n'as plus de requête. Tu n'as plus envie de rien dire. Seulement de sentir sa présence. Sentir sa présence. Sentir sa présence. Sentir sa présence. Entendre sa voix. C'est là qui fait de toi son intime. C'est là qui fait de toi son amoureux. C'est là qui fait de toi son ami. Et je t'assure, lorsque tu pries et tu entres souvent à ces niveaux-là, tu n'arriveras jamais plus à mener une vie chrétienne superficielle. Tu ne supporteras jamais une vie chrétienne sans la présence de Dieu, un culte sans la présence de Dieu. Tu ne supporteras plus, parce que une fois que tu as goûté à ça, tu es marqué à vie. Tu es marqué. Tu en redemanderas et tu en redemanderas. Mais plus tu le feras, tu ne vas plus trop tarder dans le parvis. Plus tu le feras, tu quitteras vite le parvis. Tu perceras rapidement pour entrer dans le lieu très saint. Ça va devenir facile parce que à force d'être dans le sein des saints, ton esprit se concentre facilement, se dispose facilement
Et ce qui fait que l'autre, il prend 2 heures, 3 heures. Mais toi, Dieu peut te faire grâce. Tu fermes tes yeux et ça t'arrive. Mais des fois même, si ça t'arrive toujours, des fois Dieu peut seulement tester ton zèle et voir si tu vas tenir. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, il n'y a pas que le bruit dans sa présence. Il y a aussi le silence. Il n'y a pas que le silence dans sa présence. Il y a aussi les bruits. Aimez les deux dimensions. Et si toi, tu n'as que la dimension du silence, va goûter la dimension du bruit. Et si tu n'es que dans la dimension du bruit, va goûter à la dimension du silence. Alléluia. Amen. J'ai besoin, par exemple, ici, de 20 personnes qui ont soif de Dieu, vraiment très soif de Dieu. 20 personnes, venez. Ok, arrêtez-vous là, ça va. Que seulement ces personnes soient là, je crois qu'il y a déjà 20. Ok. Faites une ligne comme ça, je vais vous montrer certaines choses. Oui. Parallèle comme ça. Oui, jusque là-bas. Jusque là-bas. Allez jusque là-bas. Arrangez-les. Une ligne comme ça. Oui, ligne droite comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça. Ok, ok. Amen. Alors, le service a commencé. Amen. Oui. On est habitué, il faut crier, non? On va faire un service dans le silence et vous avoir la puissance de Dieu. Ok? Alléluia. Alors voici ce qui va se faire aussi. Il y aura des baptêmes dans le Saint-Esprit dans la salle. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu quittes là où tu es, tu montes à l'estrade. Ok? Il y aura des baptêmes. Des gens qui n'ont jamais parlé en langue vont parler en langue aujourd'hui. Même si tu es dans l'estrade partout, fais l'effort, tu descends même avec ton sac et tu viens, tu te mets à l'estrade. Je vais prier pour que ça s'intensifie, mais il y aura des baptêmes du Saint-Esprit partout. Mais eux, vous savez pourquoi je les appelais? Parce que lorsque tu veux brûler une maison, on ne brûle pas toute la maison du coup. On brûle au coin. Quand tu brûles au coin, alors le plafond brûle, l'étole brûle et tout brûle. Dieu va allumer par eux et puis ça va entrer dans la salle. Maintenant, je demande à un pianiste connecté, spirituel. Sois spirituel, ok? Mais pas dans le bruit. Pas dans le bruit. Je t'interdis d'avoir conscience de moi. C'est les gens qui me regardent, je ne prie pas pour toi. Quiconque me regarde, je ne prie pas pour toi. Je ne peux pas t'enseigner la présence de Dieu. Toi, tu regardes Marcelo. Tu me regardes, je ne prie pas pour toi. Vous êtes déjà dans la présence de Dieu. Les faux raisonnements, c'est aussi, il faut qu'on te touche. Qui te dit qu'il faut qu'on te touche? Tu es dans la présence de Dieu. Là où je suis là, il y a la présence de Dieu sur tous ces carreaux. Il y a la présence de Dieu sur tous ces carreaux. Jésus a dit, recevez l'Esprit et il a soufflé.
Jesus. 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 Ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, là où tu es, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit là où tu es. Sois rempli du Saint-Esprit. Et parle en d'autres langues au nom de Jésus. Ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, là où tu es, sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Et parle en d'autres langues. Et parle en d'autres langues. Et parle en d'autres langues. Ce groupe-là. Tout ce groupe-là, amenez-les ici. Là où tu es, sois baptisé du Saint-Esprit et parle en d'autres langues. Le groupe-là seulement, seulement le groupe-là. Ne faites pas au-delà. Venez. Là où tu es, sois baptisé du Saint-Esprit et parle en d'autres langues. Amenez-les ici devant, le groupe-là seulement. Ok, on s'arrête à la sœur en vert. Montez. Enlevez ça. Laissez les écrans tranquilles. Faites un cercle autour de moi. Faites un cercle. Levez les mains. Soyez prêts. Vous êtes dans la présence de Dieu. Vous êtes dans la présence. Vous êtes dans la présence. Vous êtes dans la présence. Recevez, 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 recevez. Tu es dans la présence. La Bible dit, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et parlaient en langue selon que Dieu leur donnait de s'exprimer. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit et parle en d'autres langues selon que l'Esprit te donne. Oui, parlez plus fort. Là où tu es, toi qui ne parles pas en langue, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Que ce soit au balcon, que ce soit dans les salles, même à la télévision, soyez rempli du Saint-Esprit et parlez en d'autres langues. Parlez en d'autres langues. Reçois cela. Tu es baptisé de l'Esprit. Viens devant ici. Tu n'as jamais parlé en d'autres langues. Et ça commence à monter. Approche-toi.
Approche-toi. Approche-toi. Oui, venez, venez, venez. Ceux qui viennent de parler en langue maintenant, tu n'as jamais parlé. Tu as parlé. Venez. Les gens qui viennent de parler maintenant même, faites-les monter ici. Tu n'as jamais parlé en langue, tu viens de parler en langue seulement maintenant. Venez. Mettez-les là. Montez. Tu viens de parler en langue ce matin seulement, ça vient de t'arriver. Montez. Ne doute pas, là où tu es, sois rempli et reçois le baptême du Saint-Esprit. Oui, je te dis, dans la simplicité comme ça, tu as ça. Quiconque n'a jamais parlé en langue ici, sois rempli du Saint-Esprit et commence à parler en d'autres langues. Parle très fort. Parle très fort. Parle très fort. Parle très fort. Faites-les monter. Faites-les monter. Oh, tu as parlé. Wow, gloire à Dieu. Yes, yes, c'est bien. Reçois le baptême du Saint-Esprit et commence à parler en d'autres langues. C'est comme une langue, ça vient. Oui, ça vient, ça monte, ça monte, ça monte. Reda la bachete le baba, sekete le baba. Yes, 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 yes. Venez, venez. Tu viens de parler seulement maintenant, viens. Je prie que d'autres soient baptisés du Saint-Esprit. Je prie que d'autres soient baptisés. Je prie que d'autres puissent parler. Je prie que d'autres soient baptisés. Je prie que d'autres puissent parler. Oui, amenez-les. C'est la première fois que tu parles en langue. Monte, 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 monte. Maman, c'est arrivé aujourd'hui. L'Obama casse. Continue à parler, continue à parler. Waouh, je vois une sœur là-bas. Oui, ma sœur. Lorsque tu as parlé en langue, c'est pour toi. Ça peut continuer. Continue, continue, continue. Waouh, j'aime ce qui se passe dans ce papa. Waouh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amenez-les. Ceux qui n'ont jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, recevez le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Yes, recevez le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parlant langue. Oui, ma sœur, oui, continue, c'est ça. Enlevez le panier là. Montez, montez, montez. Yes, 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 yes. Continuez. Quand le réveil vient, il y a des baptêmes du Saint-Esprit. Alléluia. Je prie qu'il te touche à toi aussi, qu'il te touche toi aussi, qu'il te touche toi aussi, qui n'a jamais parlé en langue. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Et parle en d'autres langues. Au nom de Jésus. Alléluia. Ok. Fall again. Vous qui venez de parler en langue, dites avec moi, alléluia. Dites alléluia. 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 Dites alléluia. 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 Continue, continue, continue à parler en continue, 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 continue. Ressayama maman. Ah, j'aime ce qui arrive à cette maman. Waouh, merci Jésus. Ça fait plaisir de voir des mamans baptisées du Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et est-ce que tous on peut parler en d'autres langues? Même ceux qui parlent déjà. On va monter maintenant. On va monter, montons, montons, montons.
C'est ça, parle, 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 parle. Man of God, receive power. Oh, power, power, power. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu. Plus, plus, plus. Plus, 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 plus. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus. Restons calmes à présent. Restons calmes à présent. Je prie pour tous ceux qui ont une grâce prophétique. Le prophétisme aime de tels enseignements. Le prophétique aime de tels enseignements. Parce que ça permet aux prophètes de se connecter. Même vous qui venez d'être baptisés du Saint-Esprit, tu peux entrer dans la prophétie maintenant. Oui, entrez dans la prophétie maintenant. Entrez aussi dans le prophétique maintenant. Entrez dans le prophétique, entrez dans le prophétique, entrez dans le prophétique. La gloire est tombée.
Commence à dire les paroles qui montent maintenant. Commence à les crier. Commence à libérer les paroles qui montent. Crie-les, crie-les. Peut-être c'est pour ton voisin qui est à ta gauche. Peut-être c'est pour ton voisin qui est à ta droite. Crie les paroles que le Saint-Esprit te donne. Crie-les, 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 crie-les. Voyez, le silence peut précéder le bruit. Et le bruit peut précéder le silence. Ya, 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 mama, sha. Oui, ose déclarer ce que Dieu te donne. Ose! Retiens ce que l'Esprit est en train de communiquer à ton esprit. Retiens ce que l'Esprit est en train de communiquer à ton esprit. Retiens, 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 retiens. Oh, merci Père Tout-Puissant. Tous ceux qui sont dans le département de sécurité, venez, je vais prier pour vous. Je vais m'arrêter là. Tous ceux qui sont à ma sécurité, venez. Vous savez, doucement, doucement. Les vaillants de David étaient à sa sécurité. Mais à force d'être autour du oin, il y a eu contagion de la puissance. J'étais au protocole de mon pasteur avant d'être pasteur. J'étais à la porte. Quand mon pasteur entrait, j'étais à la porte. Je lui saluais et il entrait. Et j'étais contaminé. Fall again. Je vais toucher le frère qui est au fond, à gauche. Et croyez que la puissance de Dieu va passer. Je crois que l'onction se transmet. Et je crois que l'onction reste dans une vie. Depuis l'âge de 21 ans, ça fait maintenant 26 ans que cette onction est restée. Certains, ils pensent qu'on fait des spectacles. Non, non. Je crois que la puissance de Dieu se transmet. Et tu peux la garder dans la foi. Wow, j'ai même pas prié, mais Dieu l'a fait. Mes fils, soyez ouin, 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 ouin. Soyez ouin, soyez ouin. Soyez ouin, 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 soyez ouin. Soyez des grands, des grands, des grandes, des grands, des grands, des grandes. Soyez grands, soyez grands, soyez grands, soyez grands, soyez grands, soyez grands. Soyez des tueurs de géants, 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 des tueurs de géants. Wow. Ça reste dans votre vie. Ça reste. Ça reste. Ça reste. Ça reste. Ça reste. Oh, gloire à Dieu. Oh, rendons grâce à Dieu.
Merci Seigneur. Protocolaire, ne dérangez pas les gens qui sont sous la gloire de Dieu. On a fait 30 matins pour chercher Dieu. Laissez les gens tranquilles sous la gloire de Dieu. Merci Jésus, tu es ici, tu es présent. Merci de ce que tu fais, merci de ce que tu agis dans cette murmure, merci de ce que tu opères. Nous te célébrons. Merci Père pour les dons spirituels, merci pour les libérations, merci Jésus pour les brisements. Merci pour la profondeur. Merci parce que tu es là pour impacter nos vies, pour changer de direction, pour nous amener dans la profondeur. Merci parce que tu nous amènes dans la profondeur. Merci parce que tu nous amènes là où tu nous veux. Merci parce que tu nous amènes là où tu nous veux. Oui Seigneur, nous te voyons. Nous sentons ta présence. Nous voyons ce que tu fais. Merci parce que tu le fais. Tu te laisses découvrir par ceux qui te cherchent. Oui, tu es le Dieu qui te laisse découvrir par ceux qui te cherchent et tu es là. Tu es la réponse aux prières. Tu es ici. Merci pour la saturation. Merci parce que tu satures ce lieu de toi. Tu l'as fait encore en ce lieu. Tu l'as fait encore sur nos vies. Tu le fais encore. Merci pour cette saturation. Nous sommes saturés de toi. Merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Dans cette même atmosphère, tu vas continuer à prier. Tu vas amener tes offrandes. Sous cette même atmosphère, ne sois pas distrait. Reste connecté. Reste connecté. Nous avons deux services. Dans notre premier service, tu as amené, tu amènes tes offrandes pour la contribution équilibre et tu vas amener tes offrandes spéciales. Tu n'es pas distrait. Tu restes connecté. Dieu n'en a pas fini. Dieu n'a pas encore fini. Dieu est en train d'opérer. Tu vas amener une bonne offrande. Tu vas amener ton offrande. Tu vas sceller ses déclarations et ses paroles. Tu vas t'avancer. Dieu est ici. Il y aura le bouleversement dans chaque domaine de ta vie, inclus tes finances. Tu t'approches dans la présence de Dieu.
tu amènes tes offrandes dans la présence de Dieu. Nous nous avançons dans la présence de Dieu. Nous avançons avec notre deuxième service. Tu vas sceller la parole que tu as entendue. Les paroles prophétiques qui ont été déclarées. Nous allons donner, sceller, amener l'offrande du prophète pour sceller. Et si tu as apporté ta dîme, tu vas aussi l'apporter. Nous nous avançons et nous restons connectés. Le Dieu des prophètes, il est là. Le Dieu de prophètes, il est ici. Avance-toi. Cet argent qui a été donné, que tu bénisses ton peuple, accompagne ton peuple dans cette dimension, que dans la dimension des finances que nous soyons aussi touchés, que nous soyons aussi impactés dans cette dimension des finances, que nous soyons témoins du shift que toi tu as opéré, que tu opères dans cette atmosphère. Père, que tu touches notre travail, que tu libères le travail, que tu multiplies nos avoirs, que tu accompagnes les projets. Père, nous voulons en abondance, nous voulons recevoir. Père, nous voulons recevoir de ta part, dans le nom de Jésus, les projets de l'Église, Père, que tu impactes, dans le nom de Jésus, que les témoignages puissent pleuvoir au milieu de nous, au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Merci Père parce que tu le fais. Merci Jésus parce que tu le fais.
Si tu es nouveau, nous allons te recevoir demain. Tu reviens demain, nous allons te recevoir. Nous continuons notre programme des 30 matins demain. Demain, nous te recevrons, on revient demain. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Levez vos mains, nous allons clôturer ainsi. Dis avec moi, alléluia. Encore. 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 Ça mène la plénitude, hein. Alléluia. 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 Recandele brosikete maya bashaya. Ikata la braba suta le braba bayoto le boyondo. Je suis au milieu de vous, dit le Seigneur. Je suis au milieu de vous. 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 Roka baba 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 baba. Wow! Gloire à Dieu. Bon retour dans vos maisons.
Désirez-vous sortir de la stagnation de pensées d'échec et acquérir une mentalité de conquérant? 30 matins de prière et d'édification autour du thème « Le faux raisonnement ». Prière, repentance, supplication, adoration, édification. Le rendez-vous est pris du 1er au 30 août 2022 de 6h à 8h à l'église La Compassion sur la 2e rue Limité Industrielle au numéro 4 et 9B. Que Dieu vous bénisse abondamment. Désirez-vous sortir de la stagnation de pensées d'échec et acquérir une mentalité de conquérant? 30 matins de prière et d'édification autour du thème « Le faux raisonnement ». Prière, repentance, supplication, adoration, édification. Le rendez-vous est pris du 1er au 30 août 2022 de 6h à 8h à l'église La Compassion sur la 2e rue Limité Industrielle au numéro 4 et 9B. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour cette grande rencontre, nous aurons avec nous deux intervenants exceptionnels. Le pasteur Charles Kaby, pasteur Joël Kabasele, la servante de Dieu Naomi Farani, le pasteur Mathieu Yombo, pasteur Benny Kalala, le pasteur Ken Luamba, pasteur Dave Ngelekwa, le pasteur Jean-Paul Bilolo, pasteur Parfait Mavungu, pasteur Patrick Ilunga, le pasteur Timothée Kabasele, le pasteur Lévi Kongolo, pasteur Fifi Bilolo, le pasteur Mze Philo, pasteur Gospiel, la prophétesse Sissi Bogoli, le pasteur Louison Tounassi, pasteur Kali Kassenda, la servante de Dieu Lisa Talou, pasteur Carmel Bouéboué, et enfin notre hôte, le pasteur Marcelo Tounassi. N'oubliez pas ce merveilleux programme du 1er au 30 août 2022 à l'église La Compassion. Vous ne pouvez rater ces 30 matins de prière. Mais voici, je vous le dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Quel est le premier de tous les commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le premier grand commandement, et le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, et quand j'aurai toute la connaissance, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est point envieux, ne s'évante pas, ne s'enfle point d'orgueil. L'Église La Compassion présente Équilibre 2022. Une conférence internationale sous les thèmes « La puissance de l'amour ». Ce rendez-vous se tiendra du 1er au 4 septembre 2022, de 9h à 11h30 pour la session matin et de 16h30 à 20h pour la session soir. Retrouvons-nous à Limété sur la 2e rue Industrielle au numéro 4 et 9B afin de t'équiper de clés pour vivre une vie de surnaturel dans la puissance de l'amour. Nous aurons avec nous de puissants hommes de Dieu, le bishop Tudor Bismarck du Zimbabwe, le pasteur Mohamed Sanogo de la Côte d'Ivoire, le prophète Jérémy Sourdril du Canada et enfin le pasteur Marcelo Tounassi de la RDC. Prépare-toi pour ce temps fort et invite sans modération. Vivez la puissance de l'amour à la conférence Équilibre 2022. Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Mais lorsqu'il rentre, il revient les mains bredouilles, mais avec une vision, construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision.
prêcher l'Évangile dans le monde entier en utilisant tous les canaux possibles, mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vous pour y arriver, pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences. Nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste.